5, 4, 3, 2, 1, j'arrive! Bon, c'est parti, les amis, la partie de cache-cache va commencer. J'espère que je vais la gagner. Donc là, j'ai 3 personnes à trouver. J'ai Valentin, Lily Rose et Peppa Pink. J'espère que ça va bien se passer. Là, je suis à l'étage et je leur ai dit, vous pouvez vous cacher dans toute la maison. J'espère que ça va être bien. Bon, allez, on va commencer par la chambre de Lily Rose. Il y a de grandes chances, qu'elle se soit cachée ici. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle a mis de la lumière. Non, mais Lily Rose, tu vas pas m'impressionner comme ça, hein. C'est pas parce que t'as mis une lumière là que je vais pas te trouver. Allez hop, on va regarder dans son lit, sous son lit. À tous les coups, elle s'est cachée là comme à chaque fois. Lily Rose, es-tu là? Ah non. Ah ok, ils ont joué à ça, ils ont mis des pièges partout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais te trouver. Je vais te trouver, Lily Rose. Ah bien sûr, ils ont mis des mannequins même sous le lit. Ok, bon, je pense pas, honnêtement, je pense pas qu'elle soit là, parce que regardez, là, on peut très bien voir sous son lit, elle est pas ici. En plus, dans cette pièce, il y a pas trop de cachettes. De toute façon, je vais faire toutes les pièces une à une, méthodiquement. Ne vous inquiétez pas, je vais les trouver et je vais gagner. Et oui, parce que le gagnant de ce cache-cache gagne un iPhone, c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça que je suis aussi motivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un aux toilettes? Oh non, t'es sérieux? T'es sérieux? Non, je suis pas là! Mais t'es sérieux, Valentin? À quoi? Non, mais on avait dit que c'était un cache-cache compliqué! Oui, bah c'était une bonne cachette! Non, mais regarde, j'ai compté là. Non, mais les amis, j'ai compté ici. Il a pas trouvé une meilleure cachette que se mettre là dans les toilettes. Mais c'est même pas une cachette! Non, mais t'étais pressé d'aller faire pipi ou quoi? Ah non, pas du tout. Je pensais juste que c'était bien de se cacher ici. Mais c'était pas. Vas-y, allez, attends. Ah, encore une blague. Mais c'est toi qui as fait ça ou pas? Quoi, de quoi? De mettre les mannequins là comme ça. Non. En plus c'est flippant là. Lily Rose, elle en a mis partout, je pense que c'est elle qui a fait ça. Ouais, parce que c'est pas moi qui ai fait ça. Bon, ici de toute façon il n'y a pas de cachette. Ah, bon, les amis, à mon avis, s'ils se sont cachés quelque part, pour ceux qui connaissent notre maison, ici il y a une super bonne cachette dans cette chambre. C'est la chambre maudite là, on sait pas pourquoi, le matelas il a été retourné. Il y a une nuit, on a entendu plein de bruit. Enfin bref, ici... Là dans le ce qu'on appelle le grenier ici, ça a l'air incroyable comme cachette. Oh non, encore un. Encore un. Regarde, encore un mannequin comme ça. Mais non, en vrai, il n'y a personne. Bon, écoutez, je pense que Peppa Pink a été plus malin que Valentin. Et Lily Rose encore plus maligne. Je pense qu'ils se sont cachés soit au sous-sol, soit, soit dans une vraie cachette là. Allez, c'est parti. On va aller voir en bas. De toute façon, là j'ai que 10 minutes. Si je dépasse les 10 minutes, je perds l'iPhone. Et c'est Lily Rose qui le gagne. Et il est hors de question parce qu'elle, elle a déjà eu un iPhone il n'y a pas longtemps. Peut-être dans le cellier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, le prank du mannequin, bien sûr. Encore un? Le retour. Non, mais en vrai, il y en a combien ici? C'est pas possible. J'ai l'impression. Bon, allez, viens. Tu vas m'aider à faire quelque chose. Ouais. Parce que j'ai une idée de cachette. À tous les coups, ça, c'est une cachette à la Peppa Pink. Regardez-moi ça. Dans le trampoline, là, comme ça, dans le trampoline géant, il y a une tente. Mmh. Ah, il serait dedans, tu penses? Ça, c'est typiquement. Vas-y, rentre à l'intérieur. Vas-y, rentre dedans. Et... on va ouvrir la tente. Attends, d'abord, on va sauter un petit peu. Ok. Peppa Pink, où es-tu? Peppa Pink, où es-tu? Peppa Pink, attends. Les gens, ils voient rien, la caméra, ça bouge trop. Attends. Oh, 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 oh. Peppa Pink, où es-tu? Peppa Pink, où es-tu? Peppa Pink, allez, ouvre, ouvre. Ouvre, arrête. Non, mais lui, il va casser la tente. C'est bon, ah non, il est pas là. Ah bah. Je pensais qu'elle allait être là. Attends. J'étais sûr à quasiment 100%. Bah ouais, c'est dingue. Hein. Montre. Ah non. Ah si, les gars. Il est là. Il vous m'avez trouvé. Arrêtez. Eh non, 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 viens. On va arrêter de sauter, le pauvre là. Allez, hop. Allez, viens. Alors, vous avez trouvé Lily Rose? Tu vas nous aider à chercher. Non, bah alors là, pour l'instant, j'ai trouvé que Valentin, comme tu peux le voir, qui a eu l'intelligence ultime de se cacher dans la cachette la plus. La plus facile du monde. Hein. C'est où, Valentin? Non mais Valentin, franchement, il mérite de rien gagner. Bon, je vais quand même vérifier dans le jardin, même s'il n'y a aucune cachette. Ouais, non, en vrai, regardez-moi ça, ici. Attends, c'est quoi ça? Venez voir, venez voir. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce truc? Pourquoi c'est éclairé comme ça, ici? Oula. C'est quoi ça? Peppa Pink, viens voir. T'as vu les Velux? T'as vu les fenêtres? C'est éclairé en rouge. C'est tout rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est toi qui as fait ça? Bah non, Valentin, c'est toi? Bah non, enfin... pas dans le sous-sol. Mais si, on avait dit dans le sous-sol, c'était partout dans la maison.
Pourquoi c'est éclairé en rouge? Normalement, la lumière de cette pièce, c'est jaune-blanc, comme partout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça tombe, c'est Lily Rose qui nous a tendu un piège. On sait pas, ça tombe, elle a trouvé une super idée de cachette. Allez, vas-y, on fouille tous le sous-sol. N'empêche, vous avez été malin. Hein. Une personne par étage, comme ça. En vrai, ça va. Alors, le garage, on avait dit que c'était... Ouais, si, on avait dit que c'était autorisé. Peppa Pig, va voir dans le garage. Ouais, vas-y, Valentin, fouille le shop. Ok. Moi, je vais regarder dans les autres pièces. On va essayer de la trouver. Là, il me reste 4 minutes. Faut que je me dépêche parce que si elle a trouvé une... Oh là là, encore un prank. Ah, le fameux mannequin qui joue à Roblox. Super. Ouais, allez, pas dans le garage. Va regarder dans les toilettes ou dans la salle de bain, là. Attends. Peut-être dans les toilettes comme Valentin. Ah, le prank encore. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Ah bien sûr, le petit mannequin. Ouais, allez regarder dans la buanderie, surtout vérifiez bien derrière la machine à laver. Toi, vérifie bien dans la douche. Et là, c'est ici que venait la lumière rouge. Attention, 3, 2, 1. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Venez voir. Attends, venez voir. C'est quoi ça? Oula. Le truc. Les affaires de lumière rose. Attends. Attends, allume. Je vois rien. Ok. Allume la lumière. C'est quoi ce truc? Attends, je vais allumer encore plus de lumière là. C'est quoi ça? Attends, c'est les vêtements de Lily Rose. Attends, il y a des pop-its. Attends, mais c'est les vêtements qu'elle portait au début de la vidéo. Bah oui. Ah mais ça, je pense les amis que vous ne l'avez pas vu. Parce qu'on a vraiment démarré la vidéo quand j'étais en train de finir de compter. Mais on a... Non mais quand on a démarré le cache-cache... Ouais, c'est bien le pull avec les champignons et tout. Attends, touche à rien. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Faudrait pas récupérer. Attends, peut-être qu'elle a changé de vêtements ou je sais pas. Ah, c'est bizarre quand même. Attends, vas-y, j'arrête le jeu là, c'est trop bizarre ce qui se passe. Lily Rose! Lily, j'arrête le jeu! On arrête le jeu, Lily Rose! Lily Rose! Là, il se passe un truc bizarre! Ton téléphone? Non, mais elle m'a envoyé aucun message. De toute façon, si c'est un cache-cache, elle va pas répondre. Lily! Elle répond pas. C'est normal, ah là, non, mais là, franchement, ça m'inquiète. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je vais récupérer ça. Okay. Non mais on dirait un truc maudit. Bah oui. On dirait que c'est un truc maudit. Tu crois pas que c'est la sorcière qui est encore... Non mais je sais pas qui c'est, mais... Attends, rentrez pas dans le cercle, surtout. Je crois que je dois pas rentrer, t'es sûr? Non, rentre pas. Mais rentre pas, mais on rigole pas avec ça. Vas-y, enlève les vêtements, là. Ouais. Vas-y, attends, prends ça. Il y a même ses chaussures, j'avais pas vu. Un peu en dehors du cercle. Non mais franchement, les amis, on dirait que... Quelqu'un a déposé ça comme ça. Un cercle avec des lumières rouges et des pop-its comme ça. Ça tombe, elle est rentrée, elle s'est assise au milieu pour se cacher. Elle s'est mise ici pour se cacher et elle a disparu. Ouais mais c'est bien. Et il reste que ses vêtements. Il y a que la sorcière qui peut faire des trucs comme ça, non? Non mais t'imagines toi, il reste que ses vêtements, elle est passée où? Allez, je suis comme toi, Sébastien, je sais pas. Les amis, j'ai beau analyser ce qui se passe, là je comprends vraiment pas. J'ai vraiment pas envie de rentrer dans ce cercle là, de m'asseoir ici. Je pense qu'il va falloir un volontaire. Là, il faut que l'un d'entre vous... Moi, là, j'ai peur, moi. Il faut qu'il y en ait un... Vas-y, tu vas pas là ou moi? Non, je veux pas y aller. Il faut qu'il y en ait un de vous deux qui se décide. Bon, on fait pierre, feuille, ciseaux. Bon, d'accord. Ouais, ou toi, tu vas pas... Non, moi, j'y vais pas. Je dois tenir la caméra. Bon, allez, j'y vais. C'est bon. Non, okay. Attends. Pierre, feuille, ciseaux. Allez, hop. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, c'est bon, j'ai gagné. Ouais, c'est Peppa Pink. Bon, écoute. Ah, moi je pensais que j'avais gagné. On va poser la caméra et on va partir de la pièce. Ouais. Bon, je passe la caméra sur le bureau, ok? Et comme ça filmera ce qui va se passer. Vas-y, pars de la pièce. Attends. Non, attends. Je pose la caméra et je te dis quand tu pourras sauter. Attends. Tu vas bien? Eh oh. Vas-y, moi je rentre. Oh, qu'est-ce qui... Oh, il reste que les vêtements. Il a disparu aussi. C'est pas possible. Ah non, je rentre pas moi. Ah non, c'est... Mais si, tout à l'heure t'as failli rentrer. Là, t'étais en train de marcher dedans, mais t'es totalement fou. Ouais, mais il faut qu'il soit vide, le sergent. Bon, je sais pas comment on va les retrouver, les amis. En tout cas, ne faites jamais de cache-cache à 3h du matin. Même si c'est pour gagner un iPhone comme ça. En plus, on est bête de faire ça à 3h du matin. Alors qu'on sait très bien que notre maison est hantée.
On fait quoi maintenant? Mais je sais pas, appelle la police, fais quelque chose. Ils vont rien faire, bon. Oui, bah t'as une idée peut-être. Il faut qu'on trouve la solution contre les ces popites maudits là. C'est soit la sorcière, soit quelqu'un d'autre qui les a posés ici. Mais c'est pas quelqu'un qui nous veut du bien. Bon, en tout cas les amis, nous on va essayer de trouver une solution et récupérer Lily Rose et Peppa Pink pour pouvoir faire des prochaines vidéos. Parce que là, ça me paraît un peu compliqué. Bon, si ça vous a quand même plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Surtout vous abonner à la chaîne. Et aussi, vous pouvez cliquer sur une vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant pour continuer à suivre nos aventures tout de suite là. À la prochaine, ciao pour un autre cache-cache, mais pas la nuit cette fois.